Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Sur cette vidéo, on va se consacrer en fait à la fermeture d'un projet. Donc là, je viens de réaliser rapidement un petit œuf en fait. Ce sera l'exercice de demain. On va en faire un. Donc en attendant, je vous montre comment fermer un projet. Donc je coupe mon fil avec. Alors je coupe toujours la distance qu'il me faut pour coudre après. Donc si je dois coudre une patte ou quelque chose comme ça, je laisse toujours plus de fil. Là, j'aurais pu laisser moins, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait. La fermeture. Je fais sortir, vous voyez, le fil de la maille. Voilà. Et donc là, je vois bien que j'avais... Alors, j'ai terminé avec 6 mailles. Vous voyez, j'ai un petit anneau de 6 mailles serrées. Voilà. Et bien, je vais le fermer pour fermer, comme pour un anneau magique, en fait. Donc, je vais prendre le bout de ma laine que je vais venir mettre dans le chat de mon aiguille. Et puis avec cette aiguille, en fait, je vais tout simplement passer dans chacune des 6 mailles qui forment mon anneau. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la toute dernière, celle dont je suis partie en fait pour commencer. Une fois que je suis passée dans chacune de ces mailles, eh bien il ne me reste plus qu'à serrer pour fermer complètement l'anneau. Alors souvent je termine avec un petit nœud, histoire de dire qu'une fois qu'il sera passé, il ne ressortira pas. Hop. Je termine avec un nœud. Et je vais rentrer en fait ce nœud au centre du cercle que je viens de terminer. Donc là, le cercle que je viens de serrer, il se termine ici, ça c'est son centre. Et bien, je vais passer mon aiguille dedans. Je vais la faire ressortir peu importe où, on s'en fiche. Hop. Voilà. Et je vais tirer sur mon fil pour faire rentrer ce nœud à l'intérieur du cercle. Voilà, j'attends le petit cloc en fait. Et après, je peux retendre un petit peu. Et voilà, j'ai terminé mon projet. J'ai un petit œuf. Alors le fil, hein, il suffit tout simplement de serrer pour le couper à ras. Hop, et il disparaît en fait à l'intérieur. Mais... Allez, demain on fait un exercice, on va réviser tout ça, l'anneau magique, les augmentations, les diminutions, et on fermera. À demain!